Je ne sais pas si après ce tapus de Tobor de nous réveiller. On est encore loin du but. Et voilà que monsieur nous alarme avec une soi-disant présence à bord. Bien sûr qu'il y en a une de présence à bord. 5645 personnes même. Tous terriens et tous cryogénisés. Voilà ce qui reste de la Terre. Pourtant, nous sommes 15 à avoir été dégelés par cette ferraille. Bon, je lance la procédure de détection manuelle. Et s'il n'y a rien qui ressort, je calme ces palpitations à coup de tournevis au cerveau, moi. Fin d'enregistrement. Ça me tue de dire ça, mais Tobor avait raison. Il y a une présence à bord. D'après le scan, elle est ondulatoire atypique, semi-cohérente et non localisée. Donc, pas moyen de mettre la main dessus. Pourtant, Tobor est formel. Ça a toutes les caractéristiques physiques d'une présence vivante. Ça fait des milliers d'années qu'on se balade tranquille dans le néant, et on a quand même réussi à choper un ectoplasme d'extraterrestre. Il y a intérêt à se débarrasser de ça au plus vite. Je sais pas si c'est dangereux, mais j'ai pas vraiment envie de le savoir. Les copains surgelés en bas, c'est tout ce qui reste de l'humanité. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, mon mal de crâne ne me lâche plus. Dunon a eu une idée tout à l'heure. Utiliser les boucliers internes anti-radiation pour confiner et affaiblir cette cochonnerie. Bon, je comprends pas grand chose à ce qu'il raconte, mais je lui fais confiance. Fin d'enregistrement. Visiblement, on est encore plus mal qu'on ne le pensait. Hier, surprise, il y a une dizaine de cryogénisés qui ont été réveillés par Tobor. Motif, paramètres, physio, non conforme. Ils ont l'air pourtant en pleine forme, juste un peu sonnés, c'est tout. En plus, il n'y a pas un technicien dans le lot qui pourra nous aider. Par contre, il y a un prophète de malheur qui commence à me gonfler sérieusement. Il n'a rien trouvé de mieux que de se mettre à bugger. L'humanité est maudite! Je sais que le choix des colons a été fait au hasard, mais ils auraient pu quand même nous éviter ce genre de déglingué. D'autant qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. On est tous qui restent de l'humanité, et voilà qu'on chope un truc bizarre là où logiquement il n'y a rien. Enfin, si ça se trouve, c'est inoffensif ce truc. Fin d'enregistrement. Là, c'est la catastrophe. La moitié des colons ont été décryogénisés depuis 2 jours. Il n'y a plus de place ici. Enfin, il y a au moins une bonne nouvelle. On observe l'affaiblissement de l'intensité de la présence. Avec un peu de chance, elle va s'en aller. On fera comme si on n'avait rien vu. Il n'empêche que la colonisation humaine commence mal. Heureusement qu'on est tous repoussés jusqu'aux yeux. Ça nous permet de garder la tête froide et ça évite les débordements. Après scan médical des réveillés, on a eu la confirmation. Leur métabolisme est légèrement modifié. Rien de grave, mais ça suffit pour que les couffins les expulsent. Selon le médecin de bord, quelques jours de repos et de calme, et tout devrait revenir à la normale. Heureusement, pour être calme, ils sont calmes. Même le prophète ne hurle plus. Ils restent avachis dans leur coin, et on ne les entend pas. Fin d'enregistrement. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas dormi. On est tous sur les rotules. Maintenant, quasiment tous les colons sont réveillés. Le générateur les nourrissent et synthétiseur d'atmosphère leur donne de l'air. Et ils restent tranquillement avachis dans leur couffin. Pas tous quand même. Le prophète et quelques autres sont venus me voir tout à l'heure et ont demandé à filer un coup de main. Comme tout est automatisé ou presque, ils ont pigé rapidement comment faire. De toute manière, la présence n'est quasiment plus là. J'ai aussi montré au prophète comment faire un mail log. J'en peux plus, moi. Fin d'enregistrement. Ceci est un test. Quelle est la séquence d'arrêt déjà? Ah oui. Fin d'enregistrement. Tiens, c'est marrant. Le prophète a fait un test sur le mainlog. Je reconnais son matricule. Enfin, encore quelques jours à attendre que tout revienne à la normale, et on se rendort tous pour de bon jusqu'à notre destination. Maintenant que la présence a disparu, malgré toutes les interrogations qui restent, il y a comme une atmosphère de vacances dans les quartiers de contrôle. Plusieurs colons sont venus me rejoindre tout à l'heure. Ils étaient drôlement intéressés. Franchement, j'en peux plus, moi. Je vais retourner à ma cabine. Fin d'enregistrement.
Ce système qui permet de garder mémoire des événements est décidément étrange, mais pourra nous être utile. Visiblement, les humains comptaient beaucoup sur cette technique assez peu fiable. Pendant quelque temps, nous avons cru que Toba, auquel le leader s'adressait si souvent, était un humain. Mais en réalité, ce n'est qu'une sorte de machine très évoluée qui dirige le vaisseau. Nous sommes donc enfin en possession de ce vaisseau. Le dernier groupe, l'équipe d'urgence, a fini par être colonisé avec succès. La matrice a pu s'infiltrer entièrement parmi les corps des humains. Il y aura des modifications physiques à faire, bien sûr. La résistance, la force, et surtout la communication. Ils ne disposent pas de transmetteurs matriciels, et nous sommes obligés de communiquer par son et par geste. Une bonne chose, tout de même, est qu'il n'a pas besoin de réplicateur. Cette fonction est directement implantée dans les corps. Cela fonctionne sans aucun problème. La planète vers laquelle ce vaisseau réceptacle se dirige semble avoir été choisie spécialement pour la survie de nous autres. J'ai confiance. Nous redeviendrons rapidement ce que nous fûmes. Fin d'enregistrement. One small step for man, one giant leap for mankind.